J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo assez courte cette fois-ci parce qu'en fait, je vous explique, j'ai ma mailbox à faire. Le souci, c'est que je m'en vais demain me faire hospitaliser en vue de me faire opérer, donc je serai absente à peu près 15 jours. En tout cas, le temps de mon hospitalisation, ça devrait être cette durée. Après, peut-être que le temps que je me rétablisse et que je refasse des vidéos, ça sera un peu plus, je ne sais pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'Anne-Sophie voulait m'envoyer des livres que je lui achetais parce qu'elle voulait faire du tri dans sa palle et des livres qu'elle ne souhaite plus lire, tout simplement, et qui m'intéressent. Et c'est un colis assez énorme. Et le problème, c'est que la poste m'indique pour le suivi du colis que je ne le recevrai que demain. Et j'ai en fait assez peur. De ne pas le recevoir à temps, ou en tout cas de le recevoir au moment de partir ou après être parti. Et donc on aura un avis de passage, hein, c'est pas le problème, mais c'est que du coup ces livres ne peuvent pas figurer dans le Mima Mailbox de ce mois-ci, donc du mois de juillet. Donc je vais vous le faire maintenant, donc il est assez petit, mais bon, tant pis. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de mes mésaventures avec la trilogie de la sélection de Caracas dans la collection R. Donc, je vous ai montré le troisième tome, il me semble, et donc je vais vous le montrer maintenant. Le deuxième tome, attendez, je vais prendre le premier, ce serait mieux si je prenais les livres dans l'ordre. Donc, la sélection, là c'est le tome 1. Donc en excellent état. Ensuite, l'élite, donc le tome 2. Je vous avais montré le tome 3, qui est lui aussi en excellent état, que j'ai réussi à avoir avec Anne-Sophie en grande surface. Ensuite, un envoi d'Anne-Sophie, qui est Maudit Karma de David Safier, chez Pocket. Un autre envoi, mais cette fois-ci d'Anne-Sophie et Manu, des bêtises de Manu. Je vais mieux de David Fuenquinos chez Folio. Elles m'ont envoyé, et je vous le représenterai dans mes favoris, un petit carnet, un magnifique carnet, je dirais même. Je vais vous le présenter un peu mieux. Je vais l'ouvrir donc. Ça va être un petit peu compliqué, mais en gros, il se présente comme ceci. Donc, aimanté. Hop là. Ensuite, un auteur qui me l'a envoyé, mais je crois que c'est un pseudo parce que je ne sais plus le nom de cet auteur. Mais en gros, c'est chez Édition VPS, la dernière fois de Lake Song. Enfin, je ne sais pas prononcer cet auteur. Bref, vous avez la couverture qui est là. Donc, il me l'a envoyé pour que je le lise et que je lui dise ce que j'en pense. Et enfin, pour finir, donc là, c'est un troc, Le ciel est partout, de Jandy Nielsen, chez Gallimard, collection Scripto. La couverture est juste magnifique et l'histoire, enfin le résumé m'a énormément plu. C'est un troc que j'ai fait donc avec Marie sur Facebook. Marie, si elle passe par là. Et je l'ai troqué contre Peter et le voleur d'ombre que j'avais, je me souviens, en double. Donc voilà, désolé, c'est un tout petit mailbox. Je pense faire la deuxième partie à mon retour. Ce sera certainement pour les mêmes mailbox du mois d'août, ou alors ce sera encore un unboxing, comme je vous avais promis dès le départ. Je pensais simplement le recevoir plus rapidement, mais c'est pas grave, c'est les joies de la poste. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais à tous d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!